Dans les années 50, les élèves de l'école d'art se dirigent vers des ateliers de peinture, sculpture et dessin. À l'époque, il y avait les, ce qu'on appelait nous les arts purs. Il n'existait pas encore les, les arts appliqués. En 54, avec les arts appliqués, création du CAFAS pour les étudiants de troisième année, la création d'un cours d'art graphique est exigée et le directeur de l'école, Joseph Andro, confie cette tâche à André Vernet, qui était mon ancien professeur à l'époque, était professeur de dessin. André Vernet rencontre René Munch, le seul professeur en cette matière à l'école Estienne à Paris. Donc il n'y avait des cours d'art graphique uniquement à Paris à l'école Estienne. Donc il a rencontré Munch, ensuite il est parti en Allemagne, il a rencontré tous, les, tous les, les, les dinosaures de la typographie, et il est revenu avec des idées, et il a monté un cours d'art graphique. En 1964, je rentre comme professeur aux Beaux-Arts. Je suis l'assistant d'André Vernet. Et ce cours d'agraphique graphique est établi sur trois années et concerne le tracé de la capitale large avec, qui accepte la pente naturelle de l'écriture, demi-étroit où la verticale et l'horizontale comptent. Donc j'ai mis dessin-vision. Là, j'ai mis. Euh, pente naturelle de l'écriture, des vision visions. Et ici, dès que j'engraisse la lettre, à ce moment-là, j'ai ce que l'on appelle la contreforme, c'est-à-dire la forme, c'est ce qui est en noir, la contreforme, c'est ce qui est entouré par le noir. Donc, dès que le caractère s'engraisse, on va travailler aussi bien la contreforme que la forme. Hein. À cette époque, il n'y avait pas de vectorisation, et on exécutait au balustre sur le principe... Euh, pour accorder deux courbes, il fallait que les, les deux centres et les deux centres des courbes, des arcs, et le point de raccordement se situent sur la même ligne. C'était le principe. C'était une, une très 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 dur, mais ça a permis quand même d'avoir une, une, un caractère très très construit. Alors, on en est arrivé à des excès, comme celui-ci, avec la lettre Q de Dido. Donc, on est revenu à un tracé à la plume et une exécution directement au dessin, ce qui était plus simple. Ici, nous avons le tracé de la capitale, qui est une capitale typographique, hein, caractère tangent. Et ici, vous avez un, un caractère qui a été dessiné par François Boltana où il y a beaucoup de beaucoup de travail sur la contreforme, vous voyez, euh, même dans les approches euh, JK, il y a une contreforme blanche ici, il y a la contreforme même du signe, il y a l'autre contreforme d'approche. Donc on travaille beaucoup, beaucoup le blanc et autant que le noir. Le directeur nous demande de créer un atelier d'art graphique, il sera appelé Scriptorium de Toulouse, c'est en 67, car il est situé précisément dans une ancienne scriptoria. Nous vivons la pleine époque de la lettre transfert pour réaliser le titrage. Alors la lettre transfert, lettre décalque, c'est-à-dire euh, on, on, on posait des décalcomanies sur un, un bas qui était tendu sur une raquette et on faisait glisser le caractère. Alors, des fois, il y avait une grosse surprise parce qu'elle arrivait sur la feuille comme ça. Hein, Puis après, il y a eu la lettre transfert où on transférait avec un crayon derrière. Donc c'était les sociétés... Euh, le tracet et mécanorma et le nouvel atelier, Scriptorium, a travaillé pour ces sociétés-là. Les événements de mai 68 frappent l'école. Les diplômes régionaux sont supprimés. En 1969, le gattes institut organise une exposition commune, Scriptorium Westkundschule Offenbach au Centre culturel de Toulouse. La Westkundschule Offenbach était une des plus grosses écoles allemandes, mais pour, euh, par chance, avaient un peu suspendu euh, le dessin typographique pur et la calligraphie. Ils étaient beaucoup plus, ils avaient eu leur mai 68 quelques années avant, donc ils étaient beaucoup plus préoccupés par le concept que par, euh, par le fond plutôt que par la forme. Parce que il a toujours été difficile dans les écoles d'art à la fois de prendre en compte et le concept et, les, et, euh, et le travail proprement dit manuel. C'est dommage. Il aurait fallu pouvoir équilibrer ça à 50-50. C'est toujours le cas d'ailleurs. Il y a beaucoup de concepts et il y a peu de pratiques. Trois élèves de l'atelier reçoivent le premier prix du Concours général des arts pratiques et arts appliqués, décerné par la Société d'encouragement à l'art et à l'industrie. Président du jury, Roger Escoffon, parmi vous, vous avez dû entendre parler de ce nom. Alors, euh, ce sont trois élèves et ils ont eu le prix Execo. Il faut dire qu'on était pratiquement les sœurs à, à travailler euh, à ce niveau-là. Hein Donc, on a eu beaucoup de facilité. Ladislas Mandel, un graphiste parisien, nous met en garde d'en de, rester à la création d'ABCDR et nous, nous engage à aborder typo lecture de labeur. Alors, je vais vous montrer une photo. Voici l'atelier dans son intégralité quand on était à Lure. Louis Ogéda, François Boltana, André Mernet, moi-même, Claude Mediavilla, euh, Adam, Chavard et Dupuis, que j'ai revu il y a trois jours. On ne s'était pas vu depuis mai 68. <laughs> euh, Dupuis ici et euh, Galzin. Voilà, là c'était l'équipe complète. Donc, au retour de Lure, on rebuche les écritures. Hein, euh, bon, ça c'est un document qui est relativement récent, mais là, là, dans cette écriture, la toute première, on est au huitième, puis après au quinzième. Et en fait, euh, dans le dessin typographique, on en est resté là pratiquement, comme source d'inspiration. Hein. Alors c'est sûr que maintenant, euh, à des fins esthétiques, on arrive à couper des empattements. Euh, c'est un vrai carnage. Mais ce est pas, euh, cette esthétique n'est pas fondée sur, euh, comment dirais-je, une réalité pratique. Hein. Donc, je vous parlerai plus tard de, de la phonographie du signe, qui est une réalité pratique. Entre-temps, Claude Mediavilla monte à Paris et euh, travaille pour des agences. Euh, C'est dans les années euh, 72, par là. Il hein. travaille dans des, dans des agences. Ici, il exécute le serment de l'UR, euh, tout euh, au pistolet, parce qu'il y a eu l'exécution également au pistolet. Avant d'avoir les, les cours de Bézier, on, on travaillait avec un pistolet. Et euh, l'année suivante, euh, le styla de François Boltana, ici, obtient le troisième prix mondial de création au Maurizawa. Plus tard, le griffe de Lubac obtient le prix de la meilleure vente aux États-Unis. Alors, euh, Mais beaucoup plus récemment, voilà, euh, il a obtenu ce, ce prix-là. Euh, au départ... Euh, est, ce caractère a été dessiné pour du transfert. Hein et euh, ensuite, euh, les Américains l'ont acheté et l'ont commercialisé en écriture de, de titrage. Donc, euh, il a eu la meilleure vente aux États-Unis. Nous recevons à l'atelier Charles Peignot, président de la TIPI. Alors, c'était un grand honneur parce que euh, Charles Peignot euh, n'était pas du genre à se déplacer facilement. Et il est venu nous soutenir. En 1971, je pars de l'atelier pour ouvrir un studio de graphisme publicitaire, tout en gardant mon poste à l'école des Beaux-Arts. Alors vous verrez que je dis souvent je garde mon poste aux Beaux-Arts parce qu'il était question à un moment donné que ma situation était assez difficile. Alors, en 1973, le scriptorium de Toulouse reçoit le prix des graphistes pour la qualité de sa production. En 1974, l'atelier ferme et le restera durant sept ans. Alors, il s'est fermé faute de euh, formation basique. C'est-à-dire que les gens qui rentraient à l'atelier se spécialisaient tout de suite sur le, dé, sur le dessin de titrage et de labeur. Et donc, ils n'avaient pas une base suffisante pour pouvoir s'en sortir. Et l'atelier a fermé à cause de ça. André Vernet, depuis peu nommé directeur de l'école, me demande de réouvrir le scriptorium avec un effectif de 7 élèves. En 1984, coup d'État, le ministère de la Culture normalise la pédagogie en France. Seul Strasbourg gardera sa particularité régionale. Donc tout ce qui était à caractère régional a, a disparu au bénéfice d'une pédagogie euh, nationale. Création de trois départements art, communication, design. Albert Ponce, mon ex-associé, prend la direction de l'école. On est resté associé 13 ans et il prend la direction de l'école. L'atelier ferme sous la pression de la réforme. Pour moi, les ennuis commencent. Alors là, j'ai écrit en noir. Hein. Ma discipline se transforme en simple initiation au sein du département communication. C'est ça qui m'a énormément gêné, parce que le, la formation au Beaux-Arts est une formation générale très solide, intéressante, qui nous, qui nous permet d'aller sur des spécificités, ou calligraphiques, ou typographiques, ou illustratives, parce qu'il en est sorti d'excellents de, illustrateurs. En 1987, il faut que je retrouve ma liberté d'enseignement, tout en gardant mon poste de Beaux-Arts. Vous voyez que j'y tiens quand même. Euh, J'aménage chez moi un lieu à cet effet. Cet endroit privilégié restera chez moi de 1987 à 2005, année de ma retraite. J'organise des sages et des expositions en France et à l'étranger. Je garde toujours mon poste aux Beaux-Arts. La création typographique offre peu de débouchés, et ce qui est toujours vrai. Euh, J'élargis donc la formation aux disciplines du graphisme en général, n'obligeant aucun élève à rentrer dans la spécificité du dessin typographique ou de la calligraphie. Donc je, il y a un grand retour en arrière. Quand euh, j'engageais des élèves, ils venaient ou des, ils sortaient des arts décoratifs de l'école Estienne. C'était des gens qui étaient costauds. Mais Franck Jalot, entre-temps, a monté un, un troisième cycle à Estienne sur la création typographique dont les gens sont restés dans la région parisienne, ils ne sont plus venus à Toulouse. Donc j'ai repris en compte euh, l'apprentissage du dessin, de la composition et ainsi de suite. Et pour en arriver euh, au pack, au packaging, donc ça c'est un principe de base, on étudie le cube quand on sait qu'il a six faces ou qu'il a quatre faces. Ah, il ne peut avoir que quatre faces s'il si est grand, on en fait le tour. S'il si est petit, on l'a dans la main, on peut retourner dans tous les sens. Ben. Donc, euh, il y a une approche, ce ne sont que des approches, et l'atelier était assez axé là-dessus, hein, sur ce, ce, ces bases générales, hein, avec cours de dessin et cours d'illustration. Cours Bien. 1988, prix Frudiger Award à Franck Jallo, un, un de mes anciens élèves, avec son caractère harine, dessiné dans le cadre de l'NCT à Paris et dirigé par José Mendoza et Ladislas Mandel. Boltana, entre-temps, Boltana, associé avec Jean-Louis -Jean Rey, qui était sur Toulouse, euh, nous a fait la démonstration que l'écriture directe être, pouvait être vectorisée avec ligature et, 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 et tout quanti. Donc, on en, arrive, on en arrive à ça. On a assez que ça a été écrit à la plume, précédemment, oui, ça a été écrit à la plume. Mais ce texte... a été indépendamment vectorisé et on pouvait il euh, y a amené dans l'ensemble du texte des signes initiales des ligatures, et c'était véritablement une œuvre d'art. Très difficile de manipulation, parce que la police euh, de ce caractère était assez, assez complexe. Là, ici, nous avons l'aurore. Là, ici, c'était l'écriture euh, manuelle, qui a été quand même redessinée, mais en gardant les déliés, c'est-à-dire euh, un cheveu, euh, que l'on peut obtenir avec une plume. Et ici, le caractère a été engraissé pour qu'il puisse être typographique. marie Line Pavard travaillait un abécédaire dans l'atelier, mais une, un abécédaire carton, il n'y avait aucune commande, hein, c'était un exercice scolaire. Je lui dis, dit tiens, tu devrais, il euh, y a un concours là, euh, Berthold, tu devrais présenter ton abécédaire au concours Berthold. Et bien, c'est elle qui l'a eu. Séverine Amaux, une ancienne élève de l'atelier, a travaillé un caractère. Inspiré de la phonographie du signe. Vers une meilleure traduction graphique des signes-sons, afin d'en améliorer la lisibilité. C'est-à-dire, dans, dans la dans BCDR, il y a peu d'instituteurs d'ailleurs qui le savent, les voyelles vocalisent les consonnes. Les voyelles sont d'une manière générale plus douces que les consonnes. Donc, Séverine, Séverine a travaillé un texte en fonction de la phonographie du signe. Et son, Professeur a fait la même chose pour travailler un texte adapté euh, à l'esprit du Gascon. Ici, vous avez euh, quelques caractères de Franck Jalot, hein, qui vont du caractère de lecture euh, à des écritures beaucoup, beaucoup plus enlevées. Hein. Et si on parle de, de, des écritures, ici, grande écriture classique du 8e, ici, vous avez. Euh, une écriture qui est plus ou moins appliquée qu'on appellerait expédiée. Puis après, on a les écritures calligraphiques, ça c'est de Claude Mediavilla. Ensuite, on change d'outils et on change de support, on enfin, fait, on peut le faire. Euh, donc, on, travaille, on peut travailler au tierling. Alors, celui qui nous a donné un bel exemple, c'est Schneider, qui travaillait au tirling. Et voilà un travail de Kitty Sabatier. Elle travaille euh, avec des tire-lignes qui sont fabriquées avec des, des boîtes de conserve. Hein Et euh, ici, il y a introduction d'une composition à, à base d'éléments euh, calligraphiques, abstraits, n'est-ce pas Ici, vous avez un travail de euh, Fabienne Verdier, qui est calligraphe chinois, qui travaille à Paris. Et cette écriture est codée. C'est une écriture calligraphique. Et puis ici, vous avez une calligraphie. C'est-à-dire, c'est l'écriture qui n'est pas codée. Alors, vous voyez la différence. C'est extraordinaire. Voilà. Donc, les, 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 je vais dire, les moins jeunes générations ont poursuivi le travail de l'écriture de, de calligraphique pour aller à, aux écritures expressives et pour aller à la calligraphie pure. Voilà. C'est pour ça que je tenais à vous présenter ça. Bon, ensuite, après. Chaque, chaque pays a sa propre écriture. Ça, ce sont des écritures anglo-saxonnes, ça, ce sont des écritures euh, euh, belges ou françaises. Hein. Et donc, les, les sources, l'origine de, de, des modèles sont différents, bien que cette écriture soit une écriture d'origine latine. Mais l'anglais va écrire de cette façon-là et le belge va écrire de, ce, de celle-ci. Donc, j'appelle ça les écritures identitaires. La Franck jalo a dessiné, redessiné le grec du roi pour pouvoir, euh, pour que ce grec du roi, euh, redessiné, revectorisé, puisse servir aux Jeux, aux Jeux Olympiques de Grèce. Donc c'est une écriture de commande. Et c'est ça l'avenir. C'est l'écriture identitaire de commande. Hein. En tant qu'écriture identitaire de commande, il y a le caractère brive. Alors bon, <laughs> on reconnaît la boue euh, du terrain de rugby. Euh, hein. Et puis on reconnaît également la puissance du rugbyman. Donc euh, Franck est allé là-dessus. Bon, c'est assez caricatural, il est allé là-dessus. Mais on peut introduire sur une écriture de commande des valeurs subjectives ou des, des valeurs objectives plutôt et des valeurs subjectives. Ça, c'est plutôt une valeur subjective, vous voyez. C'est la chance de pouvoir travailler ça sans être piraté, parce que le caractère de commande a été fait uniquement pour un cas particulier. Alors, en conclusion. Une spécificité doit toujours reposer sur une, euh, sur une base élargie. Plus la base est large, plus la spécificité pourra être pointue. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Des facilités d'exploration, non. Mais par contre, un gain de temps, oui. Eh bien, je vais pour une fois m'en expliquer. <laughs> C'est-à-dire qu'on a eu la visite d'un phonéticien belge qui était préoccupé par, euh, comment dire, par la phonétique pure. Donc, euh, mettons, le, le pape va faire un grand discours et il va lire un texte en phonétique. Il ne connaît pas la langue et il arrive à s'exprimer. C'est ça le principe de la phonétique. Alors, je vais m'avancer. Voilà le travail de Denis Lefebvre qui était euh, étudiant à l'université de Bruxelles qui a fait ce travail là Portez ce vieux whisky au juge blanc qui fume. c'est la phonétique pure hein Alors ce garçon était venu pour dessiner du caractère mais c'est un universitaire et un universitaire n'est pas peut-être euh, n'a pas trop de sens pratique donc euh, il avait des difficultés à dessiner ce caractère et nous on en a fait de son étude. Nous, la phonétique, a, en réalité, nous intéressait que très peu. Mais on a dérivé sur euh, le signe proprement dit. Alors ça, c'est sa classification. Euh, donc, les très doux, vous avez les voyelles. Les forts, vous avez ces consonnes. K, P, Q, T. Euh, et, en, et ainsi de suite. Et ensuite, les médians euh, sont moyens, voire faibles. Et le H, mettons, n'est pas, pas prononcé, le H. Euh, le H, euh, d'ailleurs, si j'écris H, euh, le H n'existe pas. Il peut servir si j'ai un C avant pour faire che, mais il n'est toujours pas prononcé le H en soi. Donc là, je vais le gommer. Et il sera présent, mais il sera gommé. Donc euh, c'est une question de pente et des empattements. Plus l'empattement a une forte pente en attaque, puis il devient agressif. Et plus la pente devient horizontale, plus il devient doux. Donc je vais le gommer. Hein bon, il n'est pas. Le H, de forme, il n'est pas pas du tout agressif, mais je peux encore le gommer. Bien. Alors ici, ça, c'est euh, ma proposition. Moi, je suis parti sur le cercle triangle carré. Pour moi, le cercle est tendre. Donc, le O et le C, c'est quelque chose de doux. Mais là, c'est le graphiste qui parle, c'est pas le phonéticien. Hein Ensuite, après, le carré est construit. Donc, le U, N, M, tout ça, c'est construit. Donc, je vais, comment dirais-je, euh, je vais mettre ça en médian. Et en fort, tout ce qui est triangulaire. Pour moi, le, le triangle euh, est, est quelque chose qui traverse en composition. Euh, je compose en triangle euh, pour présenter un produit euh, de, de forte diffusion. Sur les produits standing, je resterai sur un axe vertical. Hein, les graphistes qui sont là mais, euh, vont se reconnaître. Alors, ici, vous avez euh, Rodolphe Guglardot qui a travaillé sur. La ligne d'écriture, c'est-à-dire le B est fait d'un fût, d'une verticale, avec une pente, c'est-à-dire le ventre, qui va sur la ligne de lecture. Donc il est doux. Le P, pareil, relativement doux. Bien. Par contre, le D, de l'ouverture sur la ligne de lecture, c'est barré. Donc le D sera dur et la lettre Q sera dure. Hein et ensuite, il y a les signes focalisés qui vont sur un seul point ou un encerclement, ou marquer un point. Alors celui-ci qui est le plus près euh, de l'étude de, 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 de phonographie, c'est Yves-Michel Puyot. Euh, il, il a parlé de, de, des voyelles qui vocalisent les consonnes, la sonorité des voyelles, euh, et ensuite après les lettres de passage, feu, ce, hein, sont des, des signes de passage, ou les signes de percussion. B, de. Alors j'ai dit B de parce qu'il a mis B de, comme un phonéticien. Le phonéticien, il ne il dit pas B, parce que B, c'est B et E accentué. Donc le B tout seul, c'est le B. Be. Hein? B, be de, que, euh, peut, que, te, X. Que. Oui, voilà, c'est ça. Percussion. Donc on a chacun fait notre, notre petite sauce. Et puis, il y a des choses, euh, savoir si les ascendantes sont importantes. Alors il a bouché l'œil, il a bouché l'œil du signe et il s'est aperçu qu'il y avait plein de petites notes comme ça. Très important. Donc ce qui veut dire que les ascendantes sont importantes. Pourquoi les Américains agrandissent l'œil par rapport L'œil, c'est le, euh, ça l'œil. Hein? Agrandissent l'œil au détriment des ascendantes. Pour un, un gain d'espace en papier. Économie et économie de papier. Mais il n'y a pas une économie de lecture. Donc nous, on est partisans de bien marquer les verticales. Alors, euh, distinguer pour mieux reconnaître, c'est le, sy le système de, de Tischold. C'est-à-dire que là, on reconnaît un A, un C, un S. Si je fais ça, je dois reconnaître un I du J. Hein? Euh, mettons, le I est un signe court. Il démarre sec, il finit sec. Donc, il va démarrer ici pour finir là. Le J, il y a, euh, en, en, en amont, il y a déjà un son, J. Et il dégouline. Il, il part. Hein. Donc, on donne. Ensuite, après, ça, c'est d'ophtalmologie pure. L'essentiel Le du G, c'est ce, cet élément-là. Hein. Le R peut être un A s'il est renversé. Donc, ce qui veut dire que c'est la, la pense inférieure qui est, qui, est, qui est très importante et la contreforme très ouverte dans le a voilà donc on corrige tout ça on fait un mixage et puis on dit le a, euh, analyse comparative d'une manière générale c'était lors d'un stage on dit que le, le u est doux que le v est moyen et ainsi de suite bien et alors après on a corrigé un texte alors ça c'est le texte en haut le premier texte qui a été, qui, qui a été écrit une, une enquête quoi Et ce texte qui a été corrigé. Vous avez vu la différence Alors, c'est la macro-typo. Donc, euh, maintenant, on vit un siècle où il faut toujours l'exploit. Vous avez vu les publicités. Euh, pour vendre un parfum, euh, le gars, il faut qu'il se jette au moins du 15e étage pour que ce soit intéressant. Et, bon, il ouvre son parachute au dernier moment, et il sort la bouteille, voilà. Mais ici, c'est la macro-typo, c'est-à-dire, on ne le voit pas on ne peut jamais se douter qu'il y a un travail en profondeur réel et qui facilite très largement la lecture. Et ça, c'est une conversion donc, de ce que j'ai euh, analysé en dessin. Le point du i tout petit. Hein, dans déplacement à cause de l'écriture, parce que le point, on le plante au dernier moment. Par contre, le, j, euh, le i sur le j s'aligne exprès pour, pour que le son soit marqué en amont et en aval. Et il ne finit pas. C'est très intéressant. Et donc, euh, donc, voilà un travail de Séverine qui, qui, qui a été fait sur ces bases-là. Mais je peux m'en servir aussi pour le logotype. Ben, Ce n'est pas n'importe quel logo. C'est du paramédical. Quoi. Il faut des sous, hein, parce qu'il y a beaucoup de travail dessus. Voilà, perfecto dans une écriture typographique connue. Et ici, je lis perfecto. L'allemand lira perfecto, le début, la fin. Nous, on, suivant le, 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 la région, on va appuyer sur la dernière syllabe. Donc on va adapter la, le, le dessin à la lecture et, euh, comment dirais-je, à, à, à la géographie de la diffusion. Si on veut avoir un, dans un produit d'exportation, mettons, si c'est pour les Allemands, le, le perfecto, il sera typographié différemment. Donc je lis per j'ai marqué l'apex du C, même le fuit dépasse, hein, carrément. Euh, fec, alors, Fec, euh, perfec, ben, la syllabe est déjà marquée, donc on, on s'en moque. Et le, le, le T qui est très court ici, a été allongé. Et Fec, le C qui était au départ très doux, s'est durci pour qu'on lise FECTO. Vous voyez Assez subtil. Mais... Dans des dans les grosses agences euh, qui s'occupent de, de clients qui ont de, de très gros moyens, ils rentrent là-dedans. Hein. Et euh, c'est un, donc une typographie qui est euh, très réaliste. Euh, si, si, si je barre un empattement, si j'enlève un empattement, là je ne l'ai pas fait, mais j'avais fait sur un, un caractère linéaire euh, de, commercial. Euh, s'il si y a une amputation, il y aura une raison. Si la raison est purement esthétique, ça vaut rien. Si la raison a une raison, ça sera esthétique et ça vaudra quelque chose. Voilà, <laughs> en résumé. Voilà, et eh bien écoutez, je vous remercie pour tout. Vous avez eu la patience de m'écouter.